Découvrez les bienfaits de l'huile de ricin dans cet article. L'huile de ricin est connue pour ses propriétés naturelles laxatives, mais elle a aussi d'autres utilisations intéressantes qui valent la peine d'être connues. Certains médecins précisent que, consommée en grande quantité, elle peut être toxique. Cependant, son utilisation dans les médecines traditionnelles remonte à une très lointaine époque. Que devez-vous savoir sur l'huile de ricin ? Une grande variété de maux peuvent être guéris par cette huile, notamment la constipation. Elle peut également servir comme antidouleur, pour booster votre système immunitaire, soulager les irritations de la peau. Elle fonctionne également comme un puissant antibactérien, antiviral et fongicide. Cette huile provient de la graine homonyme. Elle contient principalement des acides gras, dont 90% sont des acides ricinoléiques. Il serait la cause des vertus curatives exceptionnelles de cette huile. La plante de ricin est originaire d'Inde et elle a d'abord été connue sous le nom de paume du Christ, car ses feuilles ressemblent aux mains du Christ. Elle était très respectée pour cela et les Indiens lui attribuèrent beaucoup de propriétés curatives. Le ricin a été adopté par d'autres sociétés et cultures. Par exemple, en Égypte, en Chine, en Perse, à Rome, en Grèce, en Afrique, en Europe et aux Amériques. Actuellement, il s'utilise beaucoup dans l'industrie, notamment dans le textile et en Russie pour lubrifier les équipements et les protéger contre le climat très froid, car elle a une viscosité consistante qui ne gèle pas. Les autres usages de l'huile de ricin sont arôme ou additif alimentaire, composant pour cosmétiques et soins de la peau, fabrication de gomme, de fibres, de vernis, de teinture, de traitement pour le cuir, etc. Effets secondaires. Il est important de préciser que la graine de ricin a une partie mortelle si elle est consommée ou ingérée par n'importe quelle voie. Les graines ne peuvent donc pas se manger sans l'application d'un procédé particulier pour en extraire l'huile. L'huile de ricin n'est quant à elle pas dangereuse, les toxines se trouvant uniquement dans la graine crue. Les effets secondaires de cette huile sont allergies cutanées et troubles intestinaux qui causent une irritation des parois de cet organe. Elle n'est pas recommandée aux personnes qui souffrent de coliques, d'ulcères, d'hémorroïdes, de colites, du syndrome du côlon irritable, de prolapsus ou qui ont récemment effectué une chirurgie. Les bienfaits de l'huile de ricin sont nombreux. Les bienfaits de l'huile de ricin sont soulagement des colites pour soulager les désagréments de ce déséquilibre de l'estomac et de l'intestin tels que les colites. Vous pouvez appliquer l'huile sur une compresse et l'appliquer sur le bas de votre ventre. Laissez poser durant une heure ou deux. Vous pouvez mettre par-dessus une bouillotte d'eau chaude ou un petit coussin thermique. Répétez l'opération jusqu'à deux fois par jour. Éradication des cors aux pieds. L'huile peut ramollir cette accumulation de peau morte sur vos pieds. Humidifiez la zone en question directement avec l'huile. Entourez d'un pansement, et enfilez une chaussette pour maintenir le tout. Laissez poser toute la nuit et limez le jour suivant. Les cors devraient alors être beaucoup plus mous. Elle permet de retirer les grains de beauté. C'est un remède maison très populaire. Mélangez l'huile de ricin à du bicarbonate de soude. Appliquez sur le grain de beauté et entourez d'un pansement. Laissez poser toute la nuit et lavez le matin avec de l'eau tiède. Répétez durant plusieurs jours jusqu'à ce que le grain de beauté tombe tout seul. Soulagement de l'arthrite. Si vous souffrez de vos articulations à cause de l'arthrite, les bienfaits de l'huile de ricin peuvent vous aider. Ajoutez 3 cuillères dans une poêle et faites chauffer durant 3 minutes. Mettez un peu du mélange sur un linge ou du coton et frottez la zone douloureuse. Couvrez avec un linge sec et ajoutez un coussinet électrique pour maintenir le tout au chaud. Laissez poser au moins une demi-heure, et maximum une heure. N'utilisez pas ce remède si la zone est enflammée. Lisez aussi, 10 remèdes naturels pour soigner l'arthrite allongement des cils. C'est l'un des usages cosmétiques de l'huile de ricin. Il permet de rendre vos cils plus visibles et plus longs. Il peut également s'utiliser sur les sourcils. Appliquez l'huile avec un pinceau ou une brosse de mascara sur les cils. Répétez toutes les nuits avant d'aller vous coucher, et ne rincez pas. Réduction des cernes. Appliquées, avec un doigt, une goutte d'huile de ricin en dessous de vos yeux et massez doucement de manière circulaire pour permettre une meilleure pénétration. Laissez agir toute la nuit pour réduire vos cernes.
Lisez également, comment éclaircir ou éliminer les cernes? Soin de la peau. L'huile de ricin est un excellent hydratant, et rentre dans la composition de beaucoup de crèmes et de produits cosmétiques. Elle sert d'émollient pour adoucir et protéger le derme, et se retrouve sous forme de lotion, de pommade, de savon, etc. L'huile de ricin permet également de soigner les peaux très sèches, l'eczéma, les desquamations, l'herpès, les ulcères bénins, les brûlures et les plaies superficielles. Elle est également un saponifiable. Elle s'utilise pour élaborer des shampoings pour obtenir un cheveu plus doux, plus brillant et plus sain. Les bienfaits de l'huile de ricin sont également efficaces pour servir de traitement contre les orgelets, les pellicules et les piqûres d'insectes, surtout de moustiques. Elle est très utile pour combattre le vieillissement de la peau. Renforcement des ongles. Si vous avez les ongles cassants et fragiles, appliquez un coton imbibé d'huile de ricin, ou versez-en quelques gouttes directement sur les mailles. Elle est source de vitamine E, ce qui aidera vos ongles à garder un bel aspect. Les bienfaits de l'huile de ricin en huile de massage. Elle peut servir à réaliser des massages décontracturants ou anti-inflammatoires pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Elle est très utilisée en aromathérapie. L'huile de ricin pour améliorer la peau de votre visage. L'utilisation de l'huile de ricin pour améliorer l'apparence de votre visage n'est certainement pas une nouveauté. Beaucoup de produits de beauté l'incluent. Lire plus lettre ce bloc ADS. Why?